Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien toi. Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre draft Browser Soir. La première partie était fort excitante ma foi. On a pu deckbuilder le deck et commencer à faire oh, une jolie game. Je vous invite à aller la regarder, vous avez vu du coup forcément que c'était une victoire et ça régale. Est-ce que notre deck va être capable de faire 3-0 c'est la question qu'on se pose et c'est la question à laquelle on va répondre Let's maintenant. Avant parti. toute chose, je vous invite à anticiper la confiance, mettre votre meilleur pouce bleu pour référencer la vidéo, bien évidemment, partager dans les commentaires, vous abonner euh, sur YouTube parce qu'encore euh, certaines personnes ne sont pas abonnées. Rode tout 30k, on le rappelle, et puis ensuite dérouler la description pour nous rejoindre sur nos réseaux et aussi sur Tipeee si jamais vous souhaitez nous, nous aider à partir de 1€. Euro. Bien évidemment, merci beaucoup. Exactement, merci aussi au sponsor Play My Magic Bazaar. Code Valépel 2022 sur la boutique, 50% de points de finalité supplémentaires. Ça nous soutient quand vous utilisez et euh, ça régale. Ça vous régale, vous, ça régale tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et je rappelle qu'il est dispo que jusqu'à euh, fin décembre. Ensuite, ce sera un nouveau code. Du coup, si vous n'en avez pas profité, n'hésitez pas. Probablement ValetPel 2023 en tout cas. Je pense. Si c'est 2024, du coup, il y aura un petit plot twist. C'est-à-dire qu'il sera valable deux ans. Ce serait fou. Ouais, plot twist Et c'est parti pour la petite game. Du coup, ça pourrait être 20234 le code valet 20234. 234. Ouais. Ça serait insane. Et, et, et pourquoi 20 Mais Parce bah, qu'on est sponsor. On est sponsor on est, on est sponso 20 siècles. Facile. C'est jusqu'en l'an 20 000. Le code perdure. C'est vraiment, tu signes avec le diable, quoi. Ah, euh, c'est jusqu'à quand le contrat bon, toujours. 20 000 ans, ça fait beaucoup, hein. La retraite, c'est pas de suite. Ah, non. Non, non, non. Jouer on comptait vie... pas s'arrêter là, ce mec. Ouais, oh, j'ai compté avoir une retraite, quand même. OK. Mais effectivement, elle sera dans longtemps, quoi. Très longtemps. Ça se connaît, c'est une main de merde, Ah, franchement, c'est dur, Mulligan, hein, quand on commence. Mec, on va, on va piocher, ça va être insane, tu me fais confiance ah, Allez, vas-y, je te fais confiance. En je vrai, on a, passer tout on a assez ça. de drop 2 et de drop 3 pour que ça passe. Au pire, on fait ça T4. Bah, en, en draft, de toute façon, légitimement, je vais pas mal plus te faire confiance que, euh, que sur d'autres formats, je n'y joue jamais. D'autres euh... formats, donc où tu me fais pas confiance Bah, franchement, sur une main comme ça en standard. J'avoue que standard, c'est de la merde. T'as beau me dire euh, tu me fais confiance, je vais te dire non, je vais peut-être me faire confiance aussi. En, là, sur ça, je en standard, on a... les stats sont pas les mêmes. Oui. oui. Ouais. Alors que là, euh, les stats sont un peu. Tu sais que le format est assez molasse pour te permettre ça. quoi. Non, mais du coup, compliqué. par défaut, cette phrase marche mieux en draft. quoi. Ok. C'est ton domaine. Écoute, on a trouvé notre petit drop 3. Oh, ouais. euh, pour... Figure-toi que je rends en construit plus qu'en standard en ce moment. Oui, en décès, mais pour Arena. Yes! Ah bah il est bon lui. Hein. Mais sur les stats, les, les connaissances et tout, du coup, je, je me fais plus confiance sur des, des formats qui ne sont, sont pas le draft. On a presque la combo. Tu peux aussi giga en vrai. Hein. Bah ça, ça me fait jouer ça. Ah d'accord, 100 si mana. Le ok, ouais. vas-y, vas-y. Il a pile 100 mana. On va trouver l'ouvrier, lui il a rien. Il joue humain, ça, vrai, ça... Enfin, Il joue soldat, non euh, Azorius est soldat, ouais. Après, il peut faire un build des fois un peu contrôliche. Oula, attends, pourquoi il joue des piocheurs et tout fait voir son cimetière Cavalerie, land forgé forger l'encre. Pourquoi il joue ça avec soldat Il doit pas jouer soldat, du coup. Ok. Et tu peux jouer quoi en U-white si tu joues pas soldat ou fly Ouais, bah, après tu peux assembler des artefacts bizarres et faire des synergies euh, pétées des fois, suivant ce que tu vois. Okay. Avec les anciens Arthos. Ah, avec le portail par exemple. Tout le portail mythique, t'as de l'area. Oui, ou juste des vieux Arthos euh, all-frame. Il hein, passe des trucs. Il fait des trucs. Ou bon, voilà, c'est l'ouvrier. Bon, ouais. il faut le taper en plus. Et tu crois qu'on peut mettre en place le plan ouvrier Contre lui ça risque d'être moins fort, mais j'espère. Hein. On a la gigato pour, pour, le, pour le tuto. Mec, let's go. Gigato Gigatuitaupe. C'est parti. On a deux, euh, deux cartes sur trois dans le plan. En plus que les autres sont actives, même si l'autre n'a pas la célérité, tu sais. Ouais. Faut juste les avoir sur le board. Putain, deux marqueurs, si tu peux te mettre deux marqueurs pour 3 man à tous les tours. Ça, ça grossit bien. Ça fait quoi ça C'est 2-3 pour 4, vol regarde 2. Qui okay, regarde 2, ok. C'est pas mal ça hein, j'ai jamais vu. Ouais, c'est sympa, le mécanoptère. Oui. Pas Du tout, drafté bleu dans l'extension pour l'instant euh, ni vert d'ailleurs. Drafté comme ah, si, oui, si, si. si, si. d'habitude, je drafte pas vert pour le coup. Je vais pas pouvoir t'aider là. J'ai drafté Mishra que j'ai pioché une fois sur euh, 8 games. Excellent, c'est pas fou. Contre le cinquième mana, non, non, c'est pas non. Mmh, mmh, mmh. Bah, Gigatope. hein. Ouais, j'attaque d'abord pour ouais. pouvoir buffer au cas où ouais, ouais. contre les vampires, par exemple lui-même. Oh, je mettais 6 là. Bam! T'as Gigatope, ça me fait penser à Gorin Lagan! Euh. Oui, mais c'est vrai. Juste le nom. Même le, le, le skin. Oh putain. Ouvrier de la mine. Ok, on prend un ouvrier. Bon, prends-le. Hein. Oui, une 3-4, ça change rien là. Ah on oui, c'est vrai que si tu prends rien, t'as un 3-4, c'est vrai. Bah avec une 1-4 euh, Flyflink. C'est chiant, une 1-4 Flink. Ah ouais, de Même ouf. J'ai hein. joué contre un mec, il avait euh, 6 bêtes avec 1 d'endurance. J'ai Fait moins un moins un, mais genre si j'avais une 1-4, c'était pareil. C'était à peu près pareil. Ouais. Ça, ça c'est hyper ça fort. Il gagne moins un moins un et euh, vol ou vigilance ou contactanté ou célérité. Ah, oui. Il peut le faire plusieurs fois. Une 4-4 vol quoi. Ouais, mais ça peut être aussi une des touchs quoi. C'est vrai, c'est des touchs aussi. Ah ouais, c'est vol, vigilance, des touchs, célérité. C'est giga con. Euh, bah, tu peux le fracture de lithophore je pense. Oui, tu as trouvé ton 5e land pour y d'abord. Quoi qu'il peut double bloc. Bah, c'est pas grave, t'en. Ouais. Euh... Ah oui, non, il tempale ton truc, quoi. Ouais, je vais ouvrier. Je crois que c'est la Litoforce que tempale, non Euh, ouais, je vais enlever ma Litoforce pour tuer ça. Euh, non, Mais non oui, voilà. Justement, j'allais dire non, pas l'ouvrier. Justement, pas l'ouvrier. En disant coup, pas ouvrier, j'ai cliqué dessus. Ah ouais. ouais, c'est parce euh... qu'il est midi, on a faim. Là, je peux attaquer Free, quand même Ouais, les deux autres, ça tu rien. Il bloque, il bloque. Tout il gagne un peu. Ah oui, il gagne juste un peu, ouais, non, c'est vrai. T'as pas trois de... de patates. Les patates Les patates Des patatas Des patates tartinées Ça, ça peut lui trouver des dingueries, hein. Mais gaffe. Heureusement, euh, on est le tabasseur et il est le tabassé pour l'instant. Qui pouvons-nous Oh, le rosseur rossé. La rosse rosseur regarde, a rossé. La zone déflagration aussi. Ouais, on prend pas trop zone. Après, tu vas commencer à le voir s'il si met des marqueurs dessus. Ouais. Ça va, ça oui, va, mais hein. il peut mettre tous les marqueurs d'un coup, tu vois. Bah, ouais. The Volpros. Ça On oui, va commencer par ça, moi. Il a un archétype vol avec des cartes de merde, hein. franchement. Ouais. Oui. Oui, peut-être qu'il a juste pioché la mauvaise partie aussi. Parce que c'est dur d'avoir, genre, 17 soldats. Chose en russe. Ah, il joue un mauvais deck. Enfin, genre, son deck n'a pas de consistance. Ça a l'air d'aller. Ouais. Bah, le nôtre est pas incroyable, mais il hum. a un sous ouvrier qui est très drôle et plein danti Attention aux bombes. Toujours. Ah, je peux oh, pas les, jouer à 6. Les eaux bombes. Si tu avec la 4-4, il se passe wack. Il bloque pas trop bien s'il si a pas de tricks. Mais vas-y alors. On a en un sens peu sens. que ça. Hein. Un, un mana, mana, il a pas de tricks. Hein. Il n'y a pas à sortir par derrière dans ce format. Un mana il y bleu. A pas hypo, euh, non plus. Euh... Un mana blanc, il y a un tricks. Un mana bleu. Shore up, il y a pas non plus. Y a ni Shore Up ni sortir par derrière, donc euh, tu es fine, quoi. Oh, c'est les deux seuls tricks qui existent en bleu un pour un, donc euh... ouais, mais ils sont pas en Brother Soir. Oh, c'était une blague, c'est un autre, mais genre ah, euh, bah, l'extension, je sais pas. Ah oui, non, il y en a plein d'autres, mais je réfléchissais si c'était des cartes de Brother Soir et je pense pas, vu qu'ils étaient joués avant dans non, standard. Euh... Ouais, Ça me revient pas là, et j'ai comme j'ai pas drafté bleu du tout, ah. la seule ah. que j'ai pas drafté, t'as pas appris ton tableau des tricks, non, mais il est très très grand celui-là de Brother Soir. Si t'as pas, si pas un tournoi à jouer, c'est pour jouer sur Arena, t'es pas obligé d'apprendre ton tableau des tricks, je pense. Non, mais bah, si c'est bien. je me suis fait attraper par le spell à un mana blanc, tu vois, parce que je connaissais pas. Ouais. Et j'aurais pas. Non, mais pas si tu joues pas. régulièrement, naturellement, tu vas tourner autour des tricks parce que ça va devenir mm. euh, vraiment euh, apprendre ton tableau par cœur, c'est vraiment quand t'as un, un gros tournoi à préparer. Si ouais. tu fais que du Arena, en tout cas, si j'ai drafté sur Arena, je me ferais pas chier à, à afficher mon tableau dans mes toilettes, quoi. Ça fais pas chier. Ou à voilà. recopier tous mes tricks par cœur. Euh, non, ouais. Euh... Oui, ça c'est quand as des échéances compétitives, ouais, là, vraiment. Ça, quoi. Tu vois. Ou que tu graines le ladder mythique, à limite, mais encore. Ouais, je pense Avec que, la ouais, pratique, su... ça va. Sur, sur Arena, ça suffit juste de jouer plein de games, je pense. Ouais. Ou tu les regardes une fois juste pour savoir qu'ils existent. Oui, voilà, bien sûr. Mais apprenez votre tableau des tricks si vous voulez vous améliorer en, vous en rap, pas comme nous. Un des premiers trucs que vous, puiss... vous pouvez faire pour vous améliorer dans une extension, c'est connaître tous les combats de tricks du, du format. C'est sûr que c'est la... la base. On gagne 2 par tour quand même. Hein. Mec, euh, On est déjà le, le tabasseur. Euh. Euh, bientôt 6. J'attaque avec ma cavalerie ou pas La cavalerie arrive. Euh, il peut double bloc, tu pètes la 2-3 qui a. Euh, qui a quoi comme effet euh, Rien. Plus maintenant. Ouais. Pas fan. Je peux aussi euh, sacrifier un ouvrier pour. Euh... Ou une unité. Moi, moi j'ai peur, je garderai quand même la fracture de Lido Force parce qu'on connaît pas le potentiel de carte pété ouais. qu'il a, tu vois. Moi j'attaquerai juste à l'ouvrier euh, toujours. Euh, et, je, et je poserai un, une charrue, quoi. Après les bœufs, du coup. Après les bœufs, toujours. Après le bœuf. Il n'y aura pas de charrue. Non, mais écoute, on prend. Hein À ah, sa place, je leur donner que là, 1, hein. sauf s'il a un tricks. Ouais. Parce que si c'est de chump, euh, on a le mana. Fin... Son deck a pas l'air euh, exceptionnel pour l'instant, mais comme on a peur des bombes, on va garder la fracture. Ouais, ouais. Non, mais là, on lui enlève ça. Hein. Ouais. L'exhume c'est moins bien. Oh, je mets 5 sur le soldat. Le soldat. Il est trop beau, ce soldat, je trouve. Ouais. C'est rare que les, les tokens me fassent un peu quelque chose, et celui-là, il est. End of the world. Il est assez stylé, quoi. Faut jouer ça. Il multiplie les bêtes avec pas mal d'endurance. Bon. bon C'est bon, mieux que multiplier bon. les pains. Ah non. Oui, ah bon, pour... Euh... Non, on veut multiplier les pains, là. Dans le... dans le monde, il vaut mieux multiplier les pains. Mais dans Magic, il vaut mieux multiplier les bêtes. C'est vrai. Après, ça dépend. Parce que ça si dépend. Es bête, mettre des bêtes des pains... Tu préfères passer mythique ou réduire la fin dans le monde et comme tu veux, hein. Chacun est libre. Ça se voit. Hein. Le choix est hyper dur. Hein. Ah, bah, c'est Il y en a, hein. ils avaient le choix entre anéantir euh, la fin dans le monde euh, et euh, acheter Twitter. Ou alors avoir déjà cousu en or. Ouais, bah oui. <laughs> Mais gros, en même temps, euh, si t'étais à sa place, euh, qu'est-ce que tu ferais ah, moi, pas je, mal Twitter. Moi, quand même. je baille en Twitter. Bah, ma foi. J'achète et je le supprime. Quelle question. Je fais alors, chais. <laughs> On ne pas, de toute façon, nul. <laughs> je, je ferais aussi. Oh, Twitch. Oup. Ça, ça a l'air d'être une bonne bête, mais je trouve que ça attaque hyper mal dans le format. Déjà, il a une tête bizarre. Ah non, tu vas pas recommencer avec les têtes bizarres des créatures. Bah Parce euh... que le soldat tient euh, on s'en souvient. Je dis souvent que les bêtes... Euh, et les créatures sont hyper jolies. et carnes, c'est dessus. Quand le, le visage, euh, il est un peu rigolo, je le dis aussi. Je le dis aussi, ok. Voilà, c'est un, une, une manière d'être totalement transparent, en quelque part. Je suis honnête. Oh ça je connais ça. faut une 2-2, une 2-3. Trois... Viens il y a pas de spoiler, tu pètes ça 2-3. Comme ça tu peux... Ah non, oui ou... là. Et comme ça tu peux commencer à attaquer avec ta 3-4. Et... et surtout en fait tu commences à mettre une créature au cimetière pour ton écorche crâne euh... ou alors juste tu joues une charrue. Mais... Ah viens j'attaque juste. Ok. C'est bien. C'est bien ouais, juste s'attaquer. C'est sympa, c'est sympa. Là il tempo là. Ouais mais j'ai peur qu'il tempo vers un gros pâté un peu de merde quoi. et... J'ai gagné mes pèves. Oui, t'as gagné tes pèves. Je t'ai vu. J'ai un doute. Je t'ai vu le faire. Il est rigolo celui-là, tu vois. C'est moche. Avec son petit œil, son gros œil. Pour l'instant, ça suffit pas. Il s'arrête là. Je suis régalé. Il pas faire euh, ça, tu m'en deux, bah, je t'en suis deux. Ok, bien joué. Et oui. Et il s'est rendu compte que c'était nul. Il est obligé de donner un flyer. Le Calcul était pas bon. Là, en vrai, j'ai peut-être envie de lui mettre 6 points, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense que c'est mieux d'avoir une charrue. T'as pas de... Enfin les deux derniers points ou les quatre derniers points, c'est un peu pareil, non Pas trop de riches, ouais. Bon, oh, vas-y, mets une charrue. Oh la charrue. Bonne vieille charrue, là, qui ressemble à un rhino. Ouais. Tu vois le, tu fait... vois le rhino, je suis fou J'aurais appelé ça... Oui, je vois. Mais ah. J'aurais appelé ça un juggernaut, ça, tu vois. Là, il s'est en train de péter un mur, de péter des types. Ouais. Mais un juggernaut, est-ce que c'est pas un rhino mécanisé Non, mais j'essaye d'expliquer le lore de pourquoi j'ai un cool. rhino depuis euh, deux vidéos, quoi. Mais je crois que c'est mental. C'est l'origine. Non, euh, juggernaut, je ne sais pas ce que c'est la définition. Je pense que c'est un gros truc qui fonce et qui casse. un bélier métallique. Du coup, un rhino, c'est un vrai. truc qui fonce et qui casse. Du gros, en fait, un rhino, est un, et un Jugger... juggernaut. Un juggernaut n'est pas forcément un rhino. Quoi. Si Non, non, c'est Si c'est semblable. Si euh, si. Pour moi, un rhino, c'est l'animal, rhino. Sauf qu'il est mécanisé, quoi. Son but, c'est de foncer. Ouais. Pour moi, un rhino, c'est une 4-5. Si c'est pas une 4-5, c'est pas un rhino. Ah oui. Et si c'est un juggernaut, c'est un 5-3. Ah, bien juggernaut. joué, dit -il. Bah, il a compris, hein. Il sait. Ah non, non, il peut bloquer. Non, non, il a. Ah, pas le bien joué, c'est un bait. 100%. Moi, je pense qu'il a compris en mode. Il euh, n'y a pas d'issue favorable. Tu crois Il vient de loin. Moi, je crois que c'est un bait. Tu penses c'est tout bait Ah, ouais, sûr. Vas-y. Ça, c'est un bien joué de je vais l'attraper. Il veut que j'attaque avec tout, là. Settle the breakage Il y a un tout en trop. Ouais, il y a un tout en trop, ouais. C'est set to breakage Je me suis rendu compte en le disant, il n'y avait pas la même poésie. Aménager vers les décombres. ça marche bien. Au lieu d'aménager les décombres, tu aménages du côté des décombres. Ouais. Mais c'était pas mieux euh, là où il n'y avait rien <rire> <Je> <rire> Non, me suis non, tu posais la question. On va se Mais... des décombres pour faire la toiture On fait un décor à base de cailloux. C'est pour ça. Est il attend qu'on dise bien joué pour euh, pour partir. Ils sont tous longs, hein. c'est fou ça. Ah ouais. Mais le, forma euh... le format s'y prête un peu, ouais. du coup. Parce que je t'ai dit que c'était aggro, mais on joue contre des mecs qui jouent des 4 et... des 2-3, des 2-3... Oui, 2, non 3. mais je sais qu'il y a soldat, Ragnos, des, des trucs où tu peux un peu ouais, bourrer, mais même, même, même hein. Boros... Tu... Ragnos, tour 3-4, il est pas trop frais, le mec. Même Buros, je sais que ça bourre un peu, mais euh... c'est vrai que les endurances sont tellement élevées que moi j'ai quand même le sentiment que ça ronfle un peu, quoi. Ça, ça ronflote, hein. je peux pas que la... ça vole. Hein. Ouais, bien sûr, comme ça tu pourras attaquer avec ton 3-4, et par contre là, son bloc, il est, il oui, est pas dingue, ça. Hein. T'as même pas obligé de buffer. Ah, tu le fais, bah, parce que dans tous les cas. Le le il a fait bloqué rien. comme ça C'est éclaté, il a un tricks là. Hein. Oui, The Trix. Regarde bien comment on va se fracasser là, sans qu'il joue rien. Regarde bien. Alors attention, ça paye mal. Non, c'est des touches. Ah oui, bon, ça paye pas du tout mal. Enfin, ça répartit pas mal. Bam, bam, ah, bam. bam. Non, je t'ai dit, euh, excellent. Mais comment il peut bloquer comme ça Expliquez-moi Il n'y a pas de race blanc-bleu. Hein. Oh putain. Oh le contre. Et maintenant que tu le dis, je sais pas s'il y a pas de brasse, moi. Mec, euh, refais-toi les spoilers, là. Ok. Bon, s'il joue ça, c'est qu'il n'y a pas de brasse. Oui, c'est vrai. Non, on aurait parlé d'une brasse, je pense. Bon, il y a vraiment pas de brasse, du coup. Oh, mais le mec est chaud, quand même. Hein. Oh, bon, il est chaud. Il euh, nous fait y là. Tu peux euh, piocher un petit, ou pas est-ce que t'es incité à le faire rien T'as que 3 mana, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas dingue. Il a appelé le 3 mana. On va animer ça pour faire une 1-1. Une ink a 22, non, jamais nous tue là. Un testable. Le testeur intestable. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort... Euh... Une 4-4 pour 5 ou euh, voire moins, d'accord. De Kodak, ça tu vois, ça bourre. Ouais, ouais, tu fais toujours un tour de euh, 4-4. Bon ouais. euh... Si tu as des ornithoptères, tu fais des trucs un peu débiles, quoi. Aussi, ouais, ça fait quoi ce machin Ça pioche des cartes, ça, ça, ça non une carte pour deux. C'est pas mal, ça. Hein ouais, j'aime bien. Je joue dans n'importe quel deck. C'est si t'as du bleu, oh, non, même pas. C'est ah, un Arthos qui, qui fait trip entre guillemets. Quand t'as un peu de synergie sacrifice ouais, ou pact ouais, okay. euh, bon, ça demande bon quand même un peu de synergie, ou alors ça vraiment à 23ème carte. quoi Bon, j'attaque avec tout. Si T'attaque avec tout, il se passe quoi Attends, est-ce que t'as pas des traits euh, Il un peu bloque, pourri. il bloque, il bloque. Je mets 5, il est à 2. Toi, tu peux juste fracture la 4-4 aussi. Hein. Et là, t'attaques ouais. tout. Tu fais Aumônière, je... tu crées ton. Et je suis mon Aumônière si tu mets ton monomonière, que tu tues ton ton et que tu attaques avec tous, quoi je vais regarder ce que me donne l'aumônière, déjà. Ouais. Mais une phase 1. Oh, ah, t'avais la combale quoi. Je prends ou j'ai une de le fly Bah, tu... si tu tues l'aumônière, est-ce que t'as l'étale Euh. 3. Trois... Oui, en fait. Bah, alors tue l'aumônière, juste. Donc, je prends ça. Oui. Essaye de tuer lui. Tuer seulement. Ça. Ah non, attends, il bloque. Ah non, il a un. Bah c'est pas grave. Ah non, fait que je suis ça. Je suis con. J'ai calculé en tuant. Euh, ouais, ouais, et t'as fait la bonne. j'ai fait l'autre. Vas-y, let's go. Oui, parce que tu mettais 3 dessus et du coup, il y avait ouais. encore 4 points qui passaient. Mais comment on parlait de la 4-4 Mais dans tous les cas, il est quand même obligé de te donner la. Ah non, il est. Si, il est obligé de donner la 2-3. dans la 3-4, Donc ça va, y a pas de galère. Ah, espérons qu'il ne retourne pas la game avec. Euh... Bah là, il pose euh, le pâté, quoi. Le homard. Ah, un, faut vraiment poser un bon pâté, hein. Proposer euh, un pâté lifelink, un truc comme ça. Euh, ah, il peut faire genre un pâté euh, avec euh, un commandement euh, de Yurza. Ouais. Ça fait moins deux à toutes les bêtes. Du coup, euh, on le tue pas. Ouais. Et, et, il euh, en bloc. Euh, et il a un pâté en bloc. Et il a un pâté en bloc, imaginons. Non Mais c'est une séquence. Euh, c'est non Très peu probable. Ouais, Je ouais. pense qu'il aurait joué avant s'il l'avait. Donc, il faut en plus mais elle elle le existe. top deck. Ouais, ouais, mais il peut la top decker et sa, sa zone là il peut pas la, la booster donc on craint rien. Il peut la booster mais euh, il peut pas la booster il et peut la tuer booster et la tuer euh, et la, et la ah, craquer dans le moment. Fait. Ah on avait gagné c'est dommage mais j'avoue que ouais. je pas réfléchi non plus. Ah, les Red Wizards, allez. Si le format est lent, les opos sont lents aussi, elles vont être longues ces vidéos. Oui. Ah c'est que la game 1 putain. C'est la game 2. C'est fou. Hein. J'étais content. Comme Gaëtan. Bah je suis toujours content mais je suis un peu moins content. Allez Rain Wizard s'il te plaît, c'est très simple. Très très simple. Si on fait 3-0 ça prouverait qu'on peut vraiment gagner sans aucune rare. Hein. Que le draft ce n'est pas euh, de la chatte. C'est vrai. Bon après, euh, Michel Ragdos à la vidéo 1 c'était plus facile de le gagner avec des rares. Oui mais il a perdu. Il a perdu. Et nous on en a pas. Mais la 1 c'était vraiment... Euh, Kif, 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 kif. Bam, ah. ram. <laughs> uh, ouais, uh, mais bravo. regarde, là, la 2, on a battu Geeks et, et commandant de Geeks. Oh, le Guy. Le mec, il était roleplay et tout. Bon, allez, bloque, là. Putain, t'as pas mis le choix, quoi. Tu, 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 bloques, tu bloques la 3-4 et une 2-2. nous emmerde pas, putain, quoi. 4 minutes de plus que nous. hein. C'est long. Là, c'est long. Bon. Il n'a pas de synergie cimetière. Un peu, quand même. Hein. Il y en a deux d'exhumes, mais bon, est-ce qu'on veut lanterne pour deux exhumes qui non, mais sont mais pas tu incroyables La sauterelle. La sauterelle, ouais, j'aime bien. Ça, ça marche bien. Il a un bord de nul. Une 5-3, piète, Ça l'embête. Peut-être ça, Peut ça hein il attaque pas. Il attaque pas. Après un jour, il va attaquer. Hein. Franchement, il nous a joué beaucoup de cartes. Il a rien fait. es hein. sur la draw, garde là. Tu en sur le play, je pense. Ok. Oh, ça, je peux l'enlever. Ouais, vas-y, enlève ça. C'est assez médiocre. Ouais. Pas très grave. Ok. Let's go. Sont tous les on a beaucoup de side contre de l'anti-cimetière, mais après pour le reste, pas trop euh... mm. des mourses quoi. Ouais, contre sa stratégie euh, fly, on a rentré une bedfly de plus et on a eu un 3 porté qui bloque toute sa vie. C'est 2-2 de et c'est 2-3. C'est vrai. On aurait pu avoir deux ouvriers de chaque. Est-ce que dans cette vidéo, on va accomplir la destinée? Accomplir le soutenu des brides? L'archétype secret. Tu sais qu'en plus tu fais tour 2, tour 3, tour 4. Hein. Ah tu peux. Hein. Tu peux, tu peux. Oui parce que le tour 3 t'accélère euh, dans le tour 4. Eh, et c'est pas une Lito force Ça fait un malin pour ce que tu veux. Ouais, pour ce que tu veux, ouais. le Mec, c'est maintenant. Alors, on l'ouvre dans la main là. C'est juste maintenant. J'ai mentalisé. On va ouvrir une main, il y aura les trois ouvriers. C'est ce qui va se passer. Il y a Cli pas de langue, je la garde. Clipper, plus belle magie, c'est pour toi. Non, et comment ça, y a pas de langue, tu la gardes. Ah, trop tard, t'as pas répondu assez vite. Allez. Je vais pas te faire confiance sur ce plan-là, je peux ou pas. Je garde la souris. <laughs> Je mets sur garder. J'ai juste à cliquer. Mais putain, chaque décision est lente. Que faire Attendre. J'ai un jeu si tu veux pour patienter. Vas-y. Le roi du silence. Alors c'est nul. Non non non. T'aimes pas jouer ça Je le savais déjà. Mais bon. Moi, euh, c'est vraiment le pire jeu. Et même quand j'étais enfant, hein, quand les gens disaient oh joue au roi du silence et moi j'étais là en mode mais putain c'est pourri. Pourquoi on joue à ça C'est pas ouf. Moi j'aime bien parler putain. Moi j'aimais bien. Tu enfin, m'as eh déjà parlé quand t'étais petit Toujours, bavard et ça revenait dans le dossier scolaire quoi. Ah bah oui, à moi euh, tous les trucs, euh, genre euh, PL, très bien, bavard. Bavard. Mais gros, tu fais alors, pas alors, streamer, PL, euh, si pas, pas très parler. bien. Et bavard en plus. Tous les minots qui jouent au roi du silence, pas sur Internet, fin. C'est vrai. C'est pas possible. Mais moi j'aimais pas parler pour rien dire. Ah J'aime mais... toujours pas d'ailleurs. Gros, il faut toujours parler pour rien dire parce que du coup à un moment des fois tu peux sortir un que-truc c'est le tator euh... dilué dans la mare de boue. C'est les écrivains qui euh, produisent énormément. Bien sûr. Ils font 15 livres par an, et il y en a un, c'est un banger. Ouais. Ils en ont fait 14, et on les a oubliés. Alors que, si jamais tu fais pas cette technique, tu fais peut-être qu'un livre bien dans ta life, tu vois. Par ouais. contre, il n'y en a qu'un seul. La filmographie est, est ultime. Il a fait quoi, lui la... Ah ouais, putain. La livrographie. C'est le mec. <laughs> c'est l'histoire d'Eritamitsouko. Hein. C'était une musique, mais c'est pareil. Eh ouais. Le banger. va. Là, je vais faire 10 enchantes sur un truc chiant. Parfait. Bah, au monde, hein. Je mone, hein. Je homonie. Je On a vraiment, genre, zéro ouvrier, en plus. Oui, dans la main, rien. Ouais. Mais c'est parce qu'on a des landes, c'est l'un ou l'autre. J'aurais préféré les ouvriers, moi. Non, j'aime bien les landes. En fait, j'ai bien envie de 3 Z, ce draft. La rebuffade Urza. Oh Urza se rebiffe. Et là, vraiment, je m'en fous, quoi. Attends, mais... Il a vraiment mis juste des pics et ça a arrêté les machines. C'est nul cette blague. Peut-être qu'ils arrivent de très haut, du coup ils peuvent pas se diriger, tu vois. Genre Oh merde des pics Et hop, il tombe dessus. C'est un peu ça, je pense. Ah voilà, Gigatope. Bah, il oui, va contrer, de on... toute façon. Oui c'est vrai, vas oui. Ah non. Ah Oh putain l'ouvrier. Je prends pour la curve. Hein. Ah on avait déjà un 5. Oh, c'est pas grave, c'est bien ça. Mais ça ça a fait toute la game vrai. avant donc... Euh... Oh il a pas le mana Bien joué. Ah bah si tu peux partir maintenant, gagne du temps. Ah, vraiment, il n'y a pas de galère. Vraiment, euh, barre-toi. Il n'y a pas de galère. Je dis bien joué ou pas Non, non, non. C'est pour répondre. On est mode. Non, non, pas. Pour répondre. non, non. non, non, non c'est comme il dit bonjour, on peut dire bonjour. Ah, oui. ah non, moi je suis mal poli. Pas sympa, voilà. Ah, pas cool. Allez, dis enchante moi ça, bourre-le. Pas qu'on y passe la nuit non plus, ça t'embête pas. Euh, ça l'exume, mais c'est pas grave. Gaine de pev Voilà. Tu fais une petite euh, une 6. 2-3, il prend 6. J'avoue que si on voulait gagner du temps, là, tu mettrais un bien, un bien joué, il rage, il se mord le cou s'il s'en va, quoi. Mais non, t'as pas le droit de faire ça. Il on se bat contre ces, ces, ces pulsions-là. Moi aussi, des fois, j'ai envie. Ah, et moi, quand le mec me dit bien joué en draft et qu'au final, je la gagne, il se prend son bien joué. Hein. Mais tu fais ce que tu veux, et je comprends. Je ne blâme pas. C'est mérité, hein. c'est le tarif. Hein. Mais et, moi, le, je... et le chat le dit, hein. il dit « Oublie pas le bien joué. Hein. » ouais, Je, euh, je n'oublie pas. Mais je fais pas. Combien t'en fasses, voilà. Oh putain, je l'exile. <laughs> C'est pire a bien joué. C'est vraiment en mode <laughs> « Ah vas-y, bourre-le le type !»« En barre-toi, quoi !» barre Il y a encore un contre-sort dans la main, tu penses 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... C'est l'étape. Non. Pas loin. Tu peux piocher avec horrible que tu veux. réalisation, non oh, que tu Ouais, veux je pas. voulais faire ça et avoir anti bête ou mettre ma 3-4 fly. Oh, tu prends plus brasses. Bah, en fait, pour contre, je crois que je préfère mettre ça, mais depuis tout à l'heure, il fait rien. Donc. Oh, ouais. J'ai cru comprendre qu que la rubrique phrase était le seul, comme je ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment genre un deck pourri. Oh Bah, tu tues la 2-5, t'as gagné. Oui. Ah, il est dur ce euh, jeu. Ouais, c'est bon. Cette oh. fois, on tue la bonne. Oui. Bah, je crois que. Importe, ça marche, ça a assez marché, ça a bien quand même. Parce qu'en fait, celui qui a ça à 6, il est obligé de bloquer et quel il prend plaisir, le reste. Quel plaisir, une game qui se passe. Ah non, non, si on tuait ça, il était à 1. Quel plaisir, une game qui va. Nickel Allez, on tente le 3-0. C'est si on joue pas les trois ouvriers ensemble dans une game, c'est invalidé, on pas. doit refaire le draft. Par contre, 3-0 avec une triplette d'ouvriers. Ah mais là c'est partagé partout. Da, 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 ah on est champion du monde avant l'heure. Ah oui, ça serait moi j'arrête de, de regarder match. les matchs. Hein. Ah bah pas besoin. De toute façon je boycotte déjà, donc euh, pas de soucis. Moi je boycotte que les matchs de merde. <laughs> je boycotte les matchs qui m'intéressent pas. Du coup, comment ça se passe Allons-y C'est parti ah, je rappelle encore une fois okay. ce conseil, c'est enfin, le plus important en draft. Ok, c'est lequel bah, C'était écrit. Ah, tu sais pas lire Bah, si, je sais lire le Firexion. Ok. Mais j'ai pas besoin de l'expliciter. Oh, ok, d'accord, parce que tout le monde sait lire le Bah, si tu es en Magic depuis genre, okay. au moins 3-4 mois. Dans la boutique, il PL, lunettes pour décrypter le Firexion. Ça Let's arrive go. dans le seul item d'ailleurs de la boutique. <laughs> Très précis. Oh, je skip ça. C'est absolument pas une arnaque. C'est skip ça C'est skip parce que c'est synergique Vas-y tu fais ouvrir tes deux en plus, Max insane. Ah ouais tu fais au ship Ouais. Ça pue, hein ah, c'est sais très bien qu'on va piocher que des cré à... que des cré blanc, Non non crois. non vraiment No, no ah, joke Attends tu peux pas la gagner la dernière Gros t'es sur la draw, euh, si tu trouves un troisième mana, tu fais tour 2, tour 3. No joke je la garde. Ok. No joke. Je bah, moins J'avoue hein. en draft je devrais t'écouter, mais là franchement c'est tentant. Ok. Parce que le jeu il est riged, hein, je préfère te rappeler. Hein. Et pourquoi il est riged parce que dès qu'on est filmé, il hérite. Ah oui. Regarde là. Alors c'est pas ce que <laughs> j'ai dit mais c'est quand même que bon. le jeu est rigide, franchement ça, ça se conservait pas. Mec, mec, sur mec. Le let's go on the right. kill, hein, comme on dit. Mais je te dis tu te valises un peu et je me pélise un peu. Ah ouais, c'est bien. Il y a deux mais c'est bien, c'est on déteint l'un sur l'autre au bout ouais. de temps de temps. Et mais du coup est-ce qu'on va pas perdre euh... la enfin on perd la force de l'autre parce qu'on la gagne, tu vois. Euh... Du coup euh, ah bon, est... à force est... de streamer seul, on est beaucoup moins distinct quoi. À force de streamer seul, du coup, on a euh, tous les deux les qualités des deux oui, on prend les, bon. prend les défauts du coup. On prend les défauts aussi. Défaut. Ça doit... Mec, mais, mais gros, mais je le savais. Je le savais, il n'y a pas de galère. Il est perdu là. Il a perdu. Le mec, c est quoi, ça Par contre, je sais ce qu'il joue comme archétype, c'est fort. Enfin. Ouais, mais c'est long. Du coup, on va peut-être pouvoir assembler les ouvriers. J'espère. Hein. Jasper. Belle Sing. Oh, belle. Ouais. Ouais. Et ultimate. Très bon animé. C'est ce qu'ils ont mis sur Netflix le single Ultimate. Claymore. Oh Trop bien Du coup, euh, je me suis dit, euh, si ça vous le coup, peut-être je mate. Si vous m'entendez, les euh, studios TV japonais, reprenez Claymore, réadaptez-le, faites un animé de 2022, et surtout, mettez-nous la fin du manga, je vous assure, un Bunger euh, stratosphérique. Voilà, vous voulez gagner de l'argent Faites-le. Vous voulez me donner de l'argent pour que je le fasse pas de, pas de problème. Quoi que je fais Ça Ah ce que tu veux, je, je suis plus dans cette game. Ouais, je le fais t'étais juste le mec qui décide du moulingan ou pas Ouais, là j'étais surpris par le, le gars qui veut remettre en avant que les que morts quoi. Oui, mais c'est bon là, il est mis en avant. C'est un test. Par contre, contre, au 1er janvier, enfin au 31 décembre, du coup, il euh, n'y a plus Naruto sur Netflix. Tout dégage. Moi, je... Après, tu euh... l'as assez je pense. J'ai ADN, donc tout va bien. Ah, il est sur ADN Il est sur ADN. Ah, Ça va. En fou En fou mais euh, ouais, Tristoun bah, pour, pour Naruto, quoi. Boruto, bon, je sais pas. Je m'en fous. Oui. Pour moi, euh, Boruto, c'est euh, une théorie qui circule sur Internet. En fait, Boruto n'existe pas. C'est le monde où Madara a gagné. Et du coup, c'est euh, tu sais, ils sont tous dans le cocon et ils rêvent. Et Boruto, c'est ça. Et en fait, euh, je sais pas, là, dans euh, un la ou deux ans, coup marketing, mmh. euh, on va nous dire en mode, bah non, en fait, c'est Madara qui a gagné. Boruto n'existe pas. Vous avez la suite de Naruto maintenant. Oh, dinguerie t'imagines ben, le coût marketing de, de l'alto finalement. Moi j'attends, je, je suis preneur de cette de cette ouh, fin là. Ouh, 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 ouh. Je crois que je fais gigato, ça... ah non je peux pas merde, je peux pas parce que parce que la c'est de la merde. <laughs> voilà pourquoi ouais... tu peux pas. Bah écoute je fais ça, ça ça 4-4 avec 22 pèves, je peux vraiment encaisser. Ouais ça va aller. <laughs> Mec tu pioches l'ouvrier c'est bon. Je crois qu'on n'a pas rejoué la 1-3 portée depuis que je t'ai dit que ça faisait un bruit rigolo. Elle faisait comment Boum boum boum. Ah oui, elle faisait Monsieur Potiron, quoi. Ouais. Okay. Le, bah, le, le theme song de Monsieur Potiron quand il arrive, quand il arrive en ville. Il n'existe pas vraiment, genre. <laughs> ça... Monsieur Potiron, il n'existe pas Je crois pas. <laughs> je ne sais pas qui c'est, en tout cas. Quoi. Sinon, Oui Oui. Ah, c'est le, le mec de Oui Oui Ouais, ah, je crois. Pas, ok, okay. peut-être alors. Mais en tout cas, il n'a pas de theme song, quoi. Il n'a pas d'animé à lui. Non. Donc le générique n'existait pas. De base. Excellent. Moi, je, je Mec, quoi <laughs> Je connais ce matchup ça va stall, tu je vas tuer avec le boucher. Je bourre Bah, je crois. Hein. On va voir. Enfin, je pense, quoi. peut-être. Oui. Enfin, je sais pas. Mais là, du coup, est-ce que je fais une 5-4 Parce que si c'est pour bloquer ça... Euh... C'est nul. Mais du coup, si tu Il attaque avec ça, tu... tu bourres derrière. Ah ouais, je mets une 5-4. Ouais. Tu m'as dit, euh, tu peux attaquer, tu sais. J'ai fait, ah oh ouais, super. Oh, c'est vrai. <laughs> ah, J'adore le <laughs> Est temps, est à force de jouer tempo ou mes phases d'attaque elles doivent être millimétrées Ah oui, as quand as je peux juste bourrer avec des grosses bêtes oh putain je suis très content quoi. ça fait plaisir hein. je, oh mais il est simple le jeu oh il est simple le jeu je mets des créatures et il attaque c'est la base hein. oui c'est la base après euh, en draft c'est pas si facile moi je trouve les boards euh, les boards complexes Bourre en draft euh, lui. moi qui joue beaucoup en construit euh... là tu vois Mamaji se dit j'attaque il va bloquer le trade me va j'ai peut-être même un tricks. et je lui dis ok Okay. Et il se dit, ah, ah salaud. Avais-je prévu cette péripétie euh, je, je, je suis plus à l'aise, moi, avec les parties un peu tempo de construit que justement avec des boards un peu complexes de draft. Mais ça tient du fait que je n'en fais jamais. Ouais, c'est de la pratique. Voilà, c'est ça. Vaut mieux être dans ton cœur que l'inverse. Ouais. Oui, peut-être que ça vient. Après, ça dépend. Encore une fois, tu peux avoir ouais, des genre très complexe. Je joue tout le temps en tempo euh, ou en draft. Donc, euh, oui, du coup, tu es, es à l'aise sur les sur de ces trucs-là. Ouais. Euh... Je vais attaquer d'abord. Attaquer d'abord. Parce ce me propose. Je devrais jouer contrôle. Il a pas de phase d'attaque. J'aime bien jouer contrôle de temps en temps. Ouais, mais, mais avec parcimonie quand même, parce que les games sont longues. Contrôle ça me dérange pas en papier, sur Arena ça me frustre vite quoi. Ça dépend. En standard un peu, en explos moi. Bah, je monte souvent le ladder, donc j'aime bien euh, asseoir mon cul sur une chaise pendant 3-4 heures et enchaîner beaucoup de games. Et en fait, bah, en fait avec contrôle, t'en as fait 3 ah, de games. Voilà. Ouais. Moi j'avoue, quand je joue contrôle. Si mon bo il prend une heure, je pour que je, quoi. je vais pouvoir jouer contrôle en papier ou sur des tournois spécifiques, la top mais pas sur du ladder. Ouais c'est la top ouais. Il fait je quoi connais. notre repos à Paris, hein Il fait 4 points, passe. Ok, d'accord. Et quand tu sais qu'il a pas de carte en main, gros il a pas que, il a pas de board, il a pas de carte en main Ils sont passés où ses cartes Tu le sais toi J'ai pas compris. après pas compris. Oh le droit à la gorge comme il est nul contre nous. C'est un mec à 2-0 ça, il est pourri son deck putain. Après, il a peut-être pioché la mauvaise partie. Hein. Il garde une main, ok. Là, il a beaucoup de landes. 3, vrai, 4, 4, 5, 6. 300 gigantesques. Ça n'a pas l'air ouf dans l'archétype. Déjà, il a 3 landes de plus que nous. Donc ah, là, est là, tu nous enlèves 3 4 à Ok, non, j'ai DV, mais t'as raison. J'avais pas vu les landes. C'est là où sont les, les mm. cartes. Désolé, euh, Mamadji. Je m'excuse. Tu, tu, tu as pioché d'elle. Mamadji. Oh, oh bah, tu tue la 4-4. Et puis. Euh, puis C'est réglé cette histoire. On ne va pas y passer la nuit, si tu vois ce que je veux dire. Non. J'enlève un autre truc, non c'est... Je révèle pas de carte, c'est arro. C'est Aro, c'est vraiment dire en mode, bon, allez, barre toi quoi. Oh. Fort ça, comme Trix. En ouais. ah, tout cas, c'est lui fou. C'est pas mal. Euh... Tu peux toujours attaquer avec ta 5 k je crois. Et bah la t'as Ah non, c'est indestructible. Ah oui, tu peux pas attaquer avec ça. Hein. Ouais. Et je lui montre que j'ai un peu de reach en plus. Je diras dirai au cas où, si jamais tu veux stall, il n'y a pas de problème, ouais. je peux finir la game. Si tu pensais euh, bloquer le bord euh, l'image, elle est trop chelou. C'est un humain qui porte une pince, c'est ça euh, Ouais. Je crois qu'il qu était pince dans de une robot. espèce d'exosquelette de, à la base, mais en bah, fait. Je pense qu'il y a le cadavre de robot là, là. Ouais, il, il est la pince. La la pince. Okay. Mais il y a un peu, ah, c'est ah, fort, fort ça. Il y a un je peu un côté euh, image fait par une IA. Alors, ne pas. Ah, c'est vrai. merde. Vas-y, Pierre Louis. Merci. Euh... Oh, c'est hyper chiant, sinon. Ah oui, c'est. non, il Fallait que tu continues à parler sans faire le bruit. Pas du c'est pas du tout euh, euh, contre le dessin de Luca Graciano, bien entendu, mais je trouve qu'il y a les couleurs et ouais. les formes. Ça fait un peu euh, image fait par une IA, ok. De l'armure, ouais. J'en vois beaucoup oh, sur ça. C'est réaliste dans l'idée. Ouais. ah putain, il est bon, lui, quand même. Hein. Il est top deck de, de coquille oui. Lui, bon, hein. après là, euh, mais sur les rotules, un peu, hein. oui, oui, mais bon, je l'ai enlevé sa 4-6. Et euh, ça il a, a trouvé, trouvé ce qui se faisait de mieux entre la 4-6 plus lanti euh, c'était ouais. euh, ce qu'il pouvait faire de mieux. Vous ouvriers, pas l'autre hein. Après l'autre on l'a qu'une fois donc... 4-6 c'est plus chiant je crois Ouais 4-6 hein. c'est plus chiant Ouais oh, je suis d'accord La 4-6 ça dégage Dommage que, que les Non, Mais ça... là j'attaque qu'avec la 5-4 hein. ouais. pas avec ça parce que c'est engagé ça Et ouais, je sais. C'est dommage que les ne te fasse pas du mana de la couleur que tu veux Puisque de toute façon ça ne sert qu'à activer des capacités un peu spécifiques Mais ça t'aurait permis de payer toutes tes exhumes Ouais Ça aurait été très sweet, ça nous aurait permis de splasher tous les exhumes dans n'importe quel deck Ouais, après ça aurait peut-être été fort. Bah, t'aurais juste plus facilement piqué les exhumes. On serait battu sur tous les bons exhumes. Ouais. Mais est-ce que ça aurait pas enrichi un peu le format En tout cas, ça l'aurait peut-être pas desservi, je trouve. Mm. Bah, J'aurais bien aimé, en tout cas. J'aurais pas, pas dit non. Oui, 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 oui. oui. Peut-être. Tu me fais croire à un Trix de combat son Bah, gagne ton On ton pev Faïd. Oui, il est dans la mine. Ah, mine Ah, tu prends le risque du moins un moins un là tu oui. dû le garder celui-ci bon si moins un moins 1, il est aux fraises oui c'est vrai mais si tu veux assembler un jour il la combinaison il et qu'est-ce qu'il a meulé oh c'est ouais, classique cool, uh, au golgari cimetière si oh. ouais mais je trouve qu'il a pas beaucoup de synergies synergie d'automeul par exemple genre il a pas la vermine il a pas les rôdeurs tu vois il en a qu'un mais mm. genre quand j'ai joué ça moi j'avais une, une vermine trois rôdeurs on avait vraiment un archétype bien bien focus quoi Et eh ben les manas ça va, hein. comme c'est na. Et eh oui, allons-y. On attaque avec tout là Sauf les, les ouvriers Je sais pas. Bon même les ouvriers, on trade qu'un, ça, ça bloque pas. T'as 2-3. De, hein. de quoi Qui va trade un ouvrier. Ouais mais genre il est pas bien quoi. Ça il est obligé de le trade et il a que 3 bêtes. Donc il y a au moins 4 points qui passent. Il ah ça, ça bloque donné. pas le transfigurant Non. D'accord. Là il est dead on board. Si il, là. il est dob il est bien Dob, ouais. Oh le mec, il est Dobé, quoi. Il est plus Dob. Prends 5, il lui reste. Il, enlève plus tes deux, ouvriers. Trois. il sait que tu. Il connaît le plan. Que tu veux mettre ça en place, putain. Ouais. L'archétype est pas secret, en fait. Tout le monde le connaît. L'archétype <laughs> est, euh, est très très connu, <laughs> oh, finalement. Putain, merde. Dommage. Ah, on arrive trop tard, quoi. Putain, on après la bataille. Bah, tu feras un petit scratch, fin de tour qui mangera pas de pain, en vrai. Hein. Ouais. Mettre ça au cas où. Bon je crois pas que je m'en serve même mais... euh, ça fait combien du coup Il te restera il te restera 4 mana en vrai c'est même à l'upkeep c'est fine selon ce que tu trouves. Ouais. Si tu trouves un land en vrai tu peux scry upkeep. C'est bien ça. Oui c'est fine. Ça va le finir en, en fly. <laughs> du coup tu pouvais scry upkeep. Ah non parce mais que non. tu peux trouver une créature si tu vois. Ah genre après avoir draw avant draw en fait non, ah oui je non, veux non, non, ça. Mais non mais c'est con je suis con oui tu veux garder ça euh, je, 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 pour moi t'avais ça et ça te permettait de scry en plus mais non c'est pas possible ok oh c'est bien trouvé ça ouais d'accord mon top deck je vais quand même scry non. on va rien prendre hein. Et là, pareil, il me remet le ouais, bah trucs à, à l'upkeep au cas où. C'est vrai que des fois, tu meules des trucs vraiment fort. Hein. Bah, quand je meule le deux spells. Euh... Bon, cette game s'est bien passée, là, il plus j'ai bon. beaucoup de long, hein. Ouais. Floudé, il était à 12 land. il reste 5 langues dans le pack. Euh, tu ça, vas être ça, sur le la... draw. Ouais, là, tu peux rentrer dans le cimetière, tu peux remettre une sauterelle aussi. Jaggernaut, du coup, c'est pas bien. Euh. Non. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Oui, il me bloque bien, quoi. Et c'est tout, hein, pense. Ouais, je pense. Faut encore une carte. Ouais, je regarde au cas où le cimetière, non. Disenchant ça va être bien. Ouais tu peux enlever encore le 2-3 pour 4, il est un peu, un peu pété. quoi. Ouais. Ouais c'est un peu filler. Ouais. Ça permet de faire euh, genre un cinquième land ouais. pour des Arthos. Ou quoi. Notre deck est pas très fort mais il fait bien ce qu'il doit faire, c'est-à-dire juste bloquer un peu le board, un anti-bet, et puis ouais. à un moment on finit les games avec des avec des flyers. Et on a un espèce de sous thème ouvrier qui mmh. pousse un peu l'oppo à... Est-ce que 10 Disenchant ça faisait des trucs contre lui Je m'en rappelle plus. Ouais, il a des... En fait il va avoir des prototypes dans son. dans l'archétype. Il peut avoir la 10 pour 5, il, ah peut, oui. il a le, la 4-6 qui buff. Ah oui, il a joué la 4-6, exactement. Il devrait avoir qu il jouait que, que les ouvriers euh, tu vois, des enchants, c'était pas fou. Mais... Au moins, tu auras la 4-6 euh, au pire. Et elle est grave méchante elle, en plus. Mm. Même en 2-3 pour 4, qui donne plus de plus 0 chaque tour. Ouais, sur le, la phase, euh, enfin, genre s'il la met en mode aggro, ça peut être méchant. Mamaji. Oh, je je mes Ah, ok. Bah, c'est bon. Mon aspirateur est dans un, dans un magasin de pâtes. Ok. Parce que euh... magasin de pâtes. De pâtes ouais. Ah parlant de chez toi je vois. Ouais. Ah, pas forcément de cohérence dans l'idée mais je vais pas aller le chercher quoi. Très bon magasin de pâtes d'ailleurs. Dédicace à eux. Pasta di Matalo Excellent. Bonne pâte fraîche. Ah ouais vraiment. On s'équipe ça. On a un tiers de la combo. Vas-y vas-y. C'est dur de refuser, on va dire, euh, bah, nos couleurs là. des landes de leur un lead drop, tibet. un anti-bête. Oh. Les amis. Shonen, ça. Un peu, ouais. Mais pas euh, typé manga, par contre. Non. Juste euh, l'ambiance. Pas forcément un d'autres mmh. cartes qui me parlent beaucoup, mais. On va faire ça, toi. C'est beau. joli, celui-là. Hein. Franchement, il est beau. ouais. Sauterelle, c'est bien. Les ouvriers. Ouais. tu vas trader et tu vas sauterelle cette merde. Oh c'est bien vu ça. Ah va pas y avoir de galère quoi. Ah bah tout de suite. Hop, c'est vendu. Vendu on achète Et là il le réanime. Bah il peut pas. Pour deux manas. Mais j'ai peut-être mal, mal compté quelque part. Pour les ouvriers. Putain tout le monde a le plan quoi. Bah... Dommage. Gratuit hein. Oh je sauterai là. Ah, sauterelle le directos quoi. Putain, il Zou. va se dire le, le mec est fort. Ah, et il prend un petit point de Dex. Bien sûr que le mec est fort, en plus on est deux. Bien cette sauterelle, hein. les gens aiment pas, moi j'aime bien. Bah, contre les decks qui... J'aurais mis le flash quand même. Je mangeais pas de pain. C'est peut-être pas si mal, une, deux, un flash vol pour trois. Hein. Pas si mal quoi. Ah, j'aime bien les cartes pas si mal. Ouais. Moi je trouve que ça déjà descend euh, dans un monde où il y a beaucoup d'égumes. Ok, ça, ça, ça on s'en fout. Il a pas compris que la sauterelle avait déjà fait son taf. Oh Il va être déçu. Tu peux un peu la garder mmh. en backup ou juste la poser en vrai. Ouais, je vais poser Aéronaute déjà, je crois. Ouais. Là, on veut trouver le, la Gitaxienne. Oh, mec. Je prends ça. C'est bon. Bien sûr. Deux parties. Euh, je pose ou pas Ça mange pas de pain, tu vas prendre une autre. Ouais, franchement, faut il faut qu'il ait une autre carte exhumée. Non, pose là et au pire, tu, tu, tu removes le cimetière. Ouais. Elle est là, quoi. C'est fait comme ça le tour d'après, tes mana efficient, tu mettais tes, tes, deux, tes deux drops. Ton drop 3 et ton drop 5. En fait c'est un peu chiant juste s'il si, euh, a un tous c'est qu'il traîne. Et du coup euh, ça me forcera à au son cimetière euh, pas quand je veux. Oui, mais du coup ça partira pas sur tes ouvriers. Oui, eh. Ça protège un ouvrier du coup. Ça c'est pas si mal. Je crois que tu prends le trade si jamais il attaque avec ton aumônier. Ouais. Bah moi j'aurais tous les ouvriers, je passerai. Ouais. Euh, pas d'attaque Non parce que je traderai bien avec son ouvrier. Bah ouais, rien Ah oui oui ok ouais. De toute façon il va regagner son PV. Hein. c'est juste histoire de... de le faire rester à 19 quoi. Bah t'annules sa capacité quoi. Ouais. Ouvrir de la tour. Ah écoute bien le, le bruit hein. Compte bien, écoute bien. Il a pas fait. Bon, J'espère qu'il va le faire. Non il a pas. Il a juste pas fait. Ok. Peut-être maintenant Ah, allez Louis, il fait en réponse. Allez là, on a envie d'entendre le bruit. tentends entendu un peu ou pas Ça fait boulum boulum. Mais c'était pas le bon. Bruit. Non, c'était pas ça. Ouais. C'était en mode. C'est random alors. Je trouve pas, Je trouve pas petit marron là. Non le non. Petit marron. <laughs> petit marron. Il n'est pas du tout son nom. Non non, pas du tout. Pas trouvé. C'est bien, c'est bien les manas. En vrai, est-ce qu'il faut pas piocher une carte avec cette lanterne Il a rien dans son, dans son cimetière. Ah, il joue quand même exhume, hein, franchement, euh, tranquille. En fait, il fait rien. Donc, ne pas presser de piocher une carte. Non, je ne pas. Non. J'ai un trade 1. Ouais, mais il fait rien. Du coup, est-ce qu'on ne veut pas lui mettre la presse aussi, quoi J'aurais pu attaquer avec ça. Bah donc, on, on va fouiller. Fouille. Tu, tu bloquais pas. Oui, oh, c'est vrai que tu as fouillé. Okay, lui, il fouille aussi. Et ouais. Sauf que lui, comme son deck, euh, c'est de la merde. Oula, oh T'en fouille merde. Parfait vite ah, en besogne celui-là. C'est pour je le jeu de pas, de, pas de jugement sur son deck. J'aime bien en plus la stratégie que Je sais pas si c'est très fort euh, alors est dans le, dans le format. Bah quand son, quand son deck sort comme ça, non c'est pas très fort. Mais pour, euh, pour avoir fait quelques sorties un peu pété, euh, c'est passé les trucs. C'est ouais, bien ça. Euh, c'est pris. Hein. Ah ouais, Oh les gigatopes. Le mec, elle va juste trouver l'ouvrier maintenant. Ça y est. Ah, bon, c'est maintenant l'ouvrier. Le combo est là. Hein. Ouvrier maintenant. Ah, putain. ah, je prends. Bah, tu prends, bien sûr, mais bon. C'est pas On ce qu'on veut, nous. Trop prochain, tranquillou. Allez, un point. On annule la capa de l'ouvrier de la mine. Mais comment il fait pour ne rien faire Il a quoi en main, le type Bah, visiblement encore beaucoup de landes. On lui a pas dit, il en joue 22. 4, 5, 6, 7, 8. Il joue 8 landes sur 27. Ouais, c'est beaucoup quand même. Enfin, c'est pas non c'est pas, pas choqué choquant non plus mais bon ouais il a landa tous les tours juste par contre s'il en a trois autres en main là c'est chaud ouais il a son top ok ah tiens spoiler après un spoiler vert généralement ça se remove avec remarquablement ça ça va ah, il y a beaucoup de mana par contre il peut pas le payer en tout cas là ça met combien de marqueurs 2. Pour, ouais, 7. Ouais, c pour remove. C'est ouais. il Il a un spell qui protège pour deux. Je vais fouiller. Ouais. On enfin, va surveiller. Avec le site de fouille. Le site de fouille. Et non. Bon. Upkeep ou pas Non, je vais jouer ma grosse bête. Oui. La grosse bête. La grosse bait. J'ai vu une grosse bête. ou oh, la sauterelle Oh nickel Foss d'attaque. C'est dommage qu'il puisse pas payer 7 maintenant, tu l'aurais attrapé avec remords et tu pouvais pas te prendre le... le spell, ouais. Tu pouvais... Tu pouvais pas te prendre le spell, ouais. Je pouvais l'attaquer sur la phase d'attaque, mais je pense qu'il aurait pas attaqué. Ouais. Du coup, si je mets que 1, il gagne 1, ils sont fous. Non, non, mais je pense que c'était bien. Oh, c'est pas euh, fou fou comme game 1. On merde un peu, là. Après, euh, notre deck est pas, comment dire, propose pas des synergies euh, très amusantes, tu vois une fois ce qu'il fait, et après on joue seulement pour la victoire, et ouais, voilà. plus pour le fun. C'est-à-dire que nous on veut juste poser des bêtes, tuer les siennes, prendre le board. C'est vraiment un gameplay euh, basico-basique, sans grosse synergie. Ça fonctionne parce que, ah. écoute, on n'a pas si mal drafté, tant mieux pour nous, et on pioche bien. On a la meilleure des synergies dans le deck. Hein. Mais euh, c'est sûr que sur trois games, bon, la dernière on connaît quoi. Par contre, je ne le tue pas tant que j'ai pas l'ouvrir. Hein. Ah non, on fait pas ça, moi je veux le 3-0. Voilà. C'est moi qui ai la main sur la souris, il me semble. C'est quoi ce tricks -là, là Je peux pas bloquer. Pourquoi tu peux pas bloquer Je peux pas bloquer avec des créatures artefacts. Ah d'accord, ok. Ah c'est ça euh, qui t'a tué. Ouais. Ah d'accord. Okay. Même scénario. Voilà, enfin, là, il en, en a une, mais. Je vois, je vois. Oh t'es une gigato euh... maintenant, donc euh, tu crains rien. Tu as un petit peu. Mec, il a rien au cimetière, tu veux pas piocher avec ta. Non, tranquille. Est... Euh, J'attaque avec ma charrue ou pas Il va trader avec le ballot, ça me Ouais. Ça te permettra de débloquer écorche en plus, mm. crâne gixienne. Je dis gitaxienne, mais pas du tout. C'est gixienne parce que c'est pas gitaxias, mais euh, mais gix, c'est pas gina. Il l'avait, bah c'est mort. Hein. Bah, j'enlève, oui, tant qu'à faire. C'est non, en à deux, après il avait des cartes bloquées en main. Il en a deux. Je suis pas choqué dans l'idée, tu vois. Il y a peut-être un plus en plus 3 là, tu vois, qui traîne. Ouais, c'est vraiment nul hein, de jouer ça, je pense. Genre dans son deck, c'est oh. éclaté. Oh. Ah ce Tricks de combat quand tu joues des pâtés. Si tu joues un petit, euh, un petit deck à gros ça a du sens mais... Enfin, genre là quand j'ai vu qu'il avait croissance gigantesque je trouve ça vraiment mieux. Hmm. Je peux double bloc et tuer, ça bête s'il veut buffer. Je vais sûrement faire. Tu double bloc avec quoi Mais 2, 2, 3. Ça devient une 4, 4 c'est ouais. ça Ouais. Ok. 5, 6, 7, 8. Après il peut faire euh, marqueur. Croissance gigantesque et les deux. Mais une fois qu'elle passe 4-4, j'ai plus d'anti-bet. Donc euh, je suis obligé de jump en fait. Ouais. Tu sais pas, genre. Euh, on a vu qu'il jouait croissance gigantesque. Donc t'es obligé de. T'es obligé de tourner autour. Mais c'est tellement naze quoi. Ça me fait chier qu'il joue ça. On est obligé de la respecter alors que c'est Oh yes Yes T'as pas encore meld, hein Enfin, un meld, t'as pas encore utilisé la capa quoi? Ah bah je fais 3 mana et. Ah, si, une 3 si, si, ok, vas-y, vas-y. Bam! Let's go! Oh, Mec, ne, on est Ne casse pas un arthos, on est content. Mamaji, je te pète au visage si tu casses un arthos maintenant. Tu peux attaquer avec ta charrue quand même là? Oui. Ne pas aller pas manger. Ah non. Après, il casse un arthos, t'as l'écorche crâne qui, euh, qui tricks, tu vois. Ouais, mais c'est une bien meilleure consolation. Mec, t'as assemblé. T'as assemblé les zombies. J'ai oublié, oublié d'attaquer ça. C'est l'autre là il m'a dit tu peux quand même avec ta charrue. J'ai pas attaqué avec ça. Tant oh, pis. Hip. Ah, ok. Ouais, si je dis c'est un bon moment pour le faire. J'y vais maintenant. Je fous ma, ma truc. Hein. Tu veux pas grossir ton truc en 6-6 plutôt Fin de tour Mieux hein Ah oui, c'est mieux. Ouais. Je pense, hein. Ouais, t'as raison. Ouais. En fait, comme il avait le mal d'invoque, je croyais que je pouvais pas, mais si je peux. Tu euh, Ouais, il s'engage pas le, le machin. Il s'engage pas Le truc. On a encore pas attaqué au oh, 1. Hein. Avec ça Ouais. Bah, c'est juste ce tour-ci. Ah, d'accord, c'est ce tour-ci où t'as oublié ouais, d'attaquer ouais. avec. Tu j'étais là, moi, j'étais déjà dans le futur, tu sais. Mais en fait, j'étais tellement content d'assembler mon truc que je m'en foutais maintenant. Je veux plus attaquer, je veux juste. Euh... depuis tout à euh, l'heure, je cherche à coup, gagner coup, la game. Exceptionnel. Et, hein. et, je, et je sens que toi, tu t'en fous un peu, tu veux juste que un ouvrier. <laughs> mais, mais on essaye depuis tantôt. Ça fait quand même bientôt deux heures qu'on essaie de faire ça. Mais moi, je ça suis a heureux du, du 3-0, gros. Mais on a les deux. Oui, oui, bien sûr. Et tous les deux contents. Mais presque, j'ai senti que toi, le 2-1 avec les ouvriers, c'était fine. Oui, ah oui, oui, 2-1 <laughs> avec les ouvriers, genre on perd celle-là, 2-1, mais celle qu'on gagne, c'est grâce aux ouvriers. Ok. Et tu préfères Et les ouvriers ou le 3-0 C'est là où, à mon avis, on diffère, tu vois. <laughs> en fait, c'est plus que toi, tu es catégorique. Je le suis moins. <laughs> okay. Je peux accepter. Euh... Tu peux accepter les deux. Voilà. Avec le 3Z. Quoi. Pas choqué, quoi. Avec le 3Z. Ah, il mise tout là-dessus. Hein. Pas quest chose. Il se dit je vais faire un 20-20 et, euh, et je vais tuer ces deux bêtes et je vais l'attaquer. Ça n'a pas marché, je crois. faut lui dire. Hein, c'est ah, loin. C'est cher. C'est loin, c'est cher. Après, pour 7 manas, il met 2 il met marqueurs et toi, pour 3 manas, t'en mets 2. Tu... tu vas finir par gagner, hein, cette histoire. Oui, mais je peux le faire qu'une fois par tour comme lui. Donc, au final... Bah, du coup, on se suit. ouf Ouf. Tu peux le faire qu'une fois par temps, mais du coup, tu peux le faire pendant son tour et pendant ton tour. Ouais. Donc, tu vas gagner. Oui. Alors que lui, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il a pas les non manas. Oh, attends. Ça te... Mais peux non, c'est bon. Pourquoi Plus un, plus deux. Oh. Mais pourquoi tu t il ça Je Après, tu peux retrouver ça. un ouvrier. Ouais. Je le rappelle. C'est un peu triste. Ça lui a pris beaucoup de temps pour faire ça. Franchement, pioche, il a rien. Il a pas de cimetière, le type. Le type n'a Ok, pas maintenant, de je pioche. Le type n'a plus de cimetière. Ça, kiffe ça. Oh, voilà. Je vais lui dégager oh, son truc. C'est C'est clinique. Marqué, en plus. Bon, il y a tout. Il y a tout, c'est fini. L'aumônière, ça dégage. Je tue ça. L'aumônière... Et vas-y, que je te bourre maintenant. Ah, J'ai attaqué avec tout, là. mais plus rien à foutre. Ouais. Je vais éternuer. À te souhaiter. Non, faut pas le dire avant, ça annule. C'est horrible, hein. Quand tu as un éternuement qui remonte. Ça annule vale. les Et ouais. Tu perds euh, cette petite libération de dopamine, là, de l'éternuement. Cette mini-jouissance. Je, je suis très déçu. Je, je suis, suis déçu. Déçu. désolé. Je suis désolé. Tu un peu... Euh... Ah, il aurait pu bloquer avant que... À l'instar euh... des parties, tu as le nez bleu, du coup. <laughs> Exactement. J'ai parfaitement le nez bleu Tiens ça... Ah pas de créature, toi t'en fous. Ah et merde il peut reprendre des spells. Putain mais au dessin, j'ai cru que c'était ça. <laughs> je crois que c'est pas très important ici. Non non mais si, il perdait un point de vie, donc euh, il fallait. Mais je, je sais pas, j'ai je... mon cerveau trixé. Comme ça. Mais mon cerveau trixé aujourd'hui, t'as vu Après, les vidéos sont longues. Hein. Oui. Mine de rien. Oui. Est-ce qu'il est en train de mourir gentiment et lentement Je peux attaquer avec tout quand même. Hein. Qui va se passer? Ah, l'objectif, j'aurais pu peut-être euh, creuser. On voit ce qui se passe. Ouais, vas-y, vas-y. Pareil, il faut que ça cesse. Ah oui, oui, là. Il faut. Ah Il va bloquer l'ouvrier, il... je vais être déçu. Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors. Il faut bloquer un peu, là. Ah, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup. Ah non, mais t'as encore l'étal, putain. Il va gagner un peu. Ah oui, il peut gagner un peu. Du coup, ça te laisse le droit de scry et trouver ouvrier. Pour lui mettre le marqueur et c'est défi réalisé bon c'est pas grave non c'est chiant que je vais sauver mon ouvrier là ah, tu vas le faire t'as bien raison le petit chat tu vois par rapport au gobelin vachement plus sympa le bruit du chat bah oui ça va quoi ouais. bah en fait moins énervant complet ah il a pas ce cry moi Savais Il savait qu'il avait pioché un énorme pâté, le pâté oh, royal. Le pâté. Le pâté qui fait pas survivre. Non. Tu peux quand même scry pour trouver ton petit automate. Bien sûr. On dit que c'est validé quand même ou pas C'est pas l'automate, hein, j'enlève. Hein. T'as quand même l'étale Rassure-moi. Oui. Oui. Ok, donc c'est pas l'automate, t'enlèves. va oh, Eh ben bien joué, Mamadji. T'es bien battu. J'ai trouvé presque un peu facile cette game. On a arrêter. quand même assemblé le truc et on pouvait le dire. Moi, moi je dis que ça compte. C'est validé. Tu as eu les trois automates. Non, et puis qu'est-ce -ce que, que c'est chiant à faire. Oh, T'aurais pu, pu le faire en plus. On a préféré Sky Phantom, mais tu pouvais mettre tes deux marqueurs. Ça servait à rien, mais tu pouvais le faire. Ça servait à rien. Ouais, ouais. Donc c'est validé en ayant oh, ouais, 0 heure, rare ouais. et en ayant 2 reines de Kyla dans le side. Excellent. C'est validé. Excellent. J'ajoute à tes decks. Tu te rappelleras comme ça. Vas-y, ajoute-le à mes decks. Et et tu te tout Contre moi. Tu as 2 points play-in, 6 boosters, 2500 gemmes. C'est pas mal. hein. Bah, C'est pas mal. Bah, C'est excellent. Franchement. Et un Volt. Et je récupère. C'est les deux reines de Kaïa. Et un Volt. Non, ça fait pas le Volt. Ah, ça fait pas le Volt. Non. Okay. Bah, let's go. Écoutez, fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. ValpL, Magic Arena, FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.